une nouvelle défaite à l'extérieur. Ouais, mais on sait où on en est. On est à 5 défaites sur 7. On n'a pas besoin qu'on nous le rappelle. Donc, c'est un constat. Qu'est-ce qui a manqué bizarrement, c'est avec le, c'est contre le vent que vous avez le mieux joué. J'ai l'impression que c'est le match un peu de la semaine dernière. C'est-à-dire qu'on est bon que pour réagir quand on est, quand on est, quand on est mauvais. Donc, on n'est pas capable d'être constant. La semaine dernière, on est absent pour un mi-temps, on réagit très bien. Là, c'est encore pareil. Alors qu'on a le vent, ben, on est mené de 10 points avec le vent et on arrive à gagner la deuxième mi-temps contre le vent. Donc, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui m'échappent parce que tout ça, c'est pas logique, c'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de manque de constance ou de faiblesse, je dirais, mentale. Mais c'est, d'un côté, c'est rassurant parce que ça fait deux week-ends où on se dit que si on est capable de réagir dans des conditions difficiles, c'est qu'on a quand même quelques qualités. Mais ce qui est inquiétant, c'est ces absences et ce manque de constance. Mais comment tu peux l'expliquer, toi, justement, qui vit avec le groupe, qui l'entraîne? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous... Pourquoi il faut que vous soyez mené comme ça pour vous mettre à jouer? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas, parce qu'on avait... On avait de quoi faire une première mi-temps, avec aidé par le vent, et c'était y a des choses simples à respecter, comme occuper le terrain, s'appuyer sur le vent pour aller chez eux, défendre, pas faire de faute. Ce qu'on s'était dit dans le vestiaire avant le match, et on tourne à 11 pénalités à 2, 11 pénalités contre nous, et seulement 2 pour nous, et les quelques ballons qu'on a joués, on les a joués dans notre camp. Donc. C'est joué à l'envers. Oui, on a été beaucoup pénalisés, ouais, partout. 11 pénalités à 2 en première mi-temps. Vous étiez pénalisé au sol. Que vous pénalisez, mais on est dominant en mêlée, mais vous l'avez vu. Mais oui, on dominait, mais on a été récompensé quand en mêlée de notre domination? Parce que jusqu'à la fin, jusqu'à la pénalité qui peut nous enlever le bonus, c'est une pénalité contre nous. Donc bon, on va pas jouer les pleureuses à tous les matchs, mais 11 pénalités à 2 en première mi-temps, ça me paraît... Ça excuse pas notre performance, mais quand vous êtes sanctionné 11 fois sur une mi-temps, à tort ou à raison, c'est difficile d'avoir le ballon, c'est difficile d'occuper le terrain aussi. Et c'est sûr que sur les quelques ballons où on aurait pu occuper le terrain, on l'a pas fait non plus. Donc. Au final, ce point de bonus défensif, enfin, vu la première mi-temps, il était presque pas inespéré, mais on va dire que c'était compliqué, c'est presque un bon point ramené finalement. Au vu de la première mi-temps, c'est un bon point, parce qu'en général, quand on est mené avec un vent comme ça de 10 points à la mi-temps, on repart avec 30 points. Donc, c'est sûr que j'aurais signé à la mi-temps pour ce point de bonus.